Donc c'est une vidéo un petit peu particulière, vous allez passer toute la journée avec moi. Donc je vais aller tout d'abord chercher ma maman et puis on va partir chez Action, chez Dreamland, chez Carrefour, voir un petit peu ce qu'il y a pour les fêtes de fin d'année. C'est parti, je vous embarque. Et c'est parti, premier arrêt chez Action. Donc comme vous pouvez voir, le temps n'est pas avec nous, il pleut, c'est une horreur. Mais bon, on va quand même passer une bonne journée. Allez, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu les rayons de chez Action avec les nouveaux assortiments, les nouveaux produits, enfin tout ce qu'on aime de chez Action. Et les beaux couverts qu'on voit partout, le set de couverts, super joli pour les tables de fin d'année. Et durant cette période de l'année, il y a vraiment pas mal de jouets à des prix vraiment super intéressants. Et comme vous pouvez le voir, il y a un grand choix de décoration de Noël. Alors moi personnellement, j'attends que Saint-Nicolas soit passé pour pouvoir enfin mettre mon sapin et les décos de Noël. Et bah oui, pour les petits curieux, je fais Saint-Nicolas et je fais Noël. Mes filles ont au moins l'avantage d'avoir toutes les fêtes, que ce soit les fêtes d'ici ou les fêtes musulmanes. Il y a également un grand choix de DIY. Ça, c'est vraiment chouette à faire avec les enfants pendant les congés scolaires. J'ai vraiment flashé sur ces petites licornes à 7,95€. Elles iraient super bien dans ma déco. J'ai trouvé qu'il y avait un grand choix de guirlandes lumineuses à prix super intéressant. Il y a vraiment de quoi faire un très beau sapin à petit prix. Alors bon plan super intéressant, c'était les Lego Friends. Vous pouvez voir, les boîtes pour les filles étaient à 17,95€ et 15,95€, or que chez Carrefour, c'était beaucoup plus cher. Énormément de choix pour les activités manuelles pour les enfants. Et ici, vous allez le voir un peu plus haut, il y avait des activités manuelles sur le thème de la Reine des Neiges 2. C'est vraiment avec des prix super intéressants. J'ai pu comparer d'autres magasins et c'était beaucoup plus cher. Tout ce qui est jeux à thème, comme les poupées LOL, les jeux Disney, les Barbie, ou les puzzles Disney, comme vous pouvez le voir, ont des prix vraiment très attractifs. Alors c'est parti, après Action, on va aller direction le Carrefour. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au rayon des jouets, parce que ce qui est intéressant avec Carrefour, c'est qu'on peut cumuler les points bonus sur la carte. Et chaque jeudi, il y a également 3 produits 100% remboursés en points bonus sur la carte. Alors ça, c'est vraiment top. On y va, c'est parti.
Et voilà, nous voilà enfin garés et nous voilà dans le carrefour. Donc là, je vous montre un petit peu les rayons qu'il y a à l'entrée, donc avec les bouquins et tout ça, vraiment super chouette pour faire des cacahuètes pendant les fêtes de fin d'année. Donc ça, c'est chouette. Beaucoup de BD, assez bien de promos sur les livres, donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et là, comme on peut le voir, Saint-Nicolas est déjà venu déposer pas mal de friandises. Et voilà donc le rayon des jouets qui était pas mal rempli. Et alors une chose que Carrefour a fait cette année, c'est que si on trouvait un jouet moins cher ailleurs, il remboursait 5 fois la différence. Et après avoir comparé, c'était vraiment Carrefour le moins cher. Assez bien de choix aussi au niveau des Lego et une promo de 20% sur les Lego Friends. Mais malgré la promotion, ça restait quand même un prix. Alors, pause de midi, nous sommes allés au Lunch Garden. Et comme vous pouvez le voir, on a pris des moules qui étaient vraiment super bonnes. Et grâce à la campagne de Insiders, j'avais encore des bons de 10 euros à l'achat de 25 euros au Lunch Garden. Et alors, si vous voulez vraiment un super bon plan, prenez votre maman avec, comme ça vous mangez à l'œil. Un petit clin d'œil si elle passe par là. Ensuite, après avoir mangé, nous sommes allés chez Orchestra et là, comme vous pouvez le voir, c'était une liquidation totale. Il y avait moins 60% sur tout le magasin, ce qui était super intéressant. Malheureusement, je n'ai pas filmé l'intérieur parce qu'il y avait énormément de monde. Dernier arrêt de la journée, donc c'était Dreamland. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y avait assez bien de promotion. Les rayons étaient vraiment super bien remplis. Alors apparemment, ce samedi, Saint-Nicolas sera présent chez Dreamland, mais je n'ai pas retenu les heures. Et donc, c'était vraiment le moment d'y aller. Il n'y avait pas trop de monde. Et donc là, on pouvait bien regarder à son aise. Et voilà, une bonne journée marathon fête de fin d'année qui se termine. Donc je ne vous montre pas ce que j'ai acheté, je vous montrerai ça quand Saint-Nicolas sera passé. Et au moment de Noël, je vous montrerai tout ça en détail. Donc voilà, c'est parti. Alors la journée se termine comme elle a commencé, sous la pluie. Après cette bonne journée, c'est le moment de récupérer mes princesses à l'école. Et voilà, pour clôturer cette journée, j'avais franchement pas envie de cuisiner. Mon mari avait mangé chaud, les filles aussi et moi aussi. Donc j'ai décidé de faire des œufs au plat avec du pain. Un repas facile, rapide, efficace et que tout le monde aime. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette petite journée shopping avec moi vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à dérouler le menu pour voir où me trouver. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.